Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Jean-Aubert Jean-Noël. Dans le troisième épisode sur la migration haïtienne, la crise migratoire, moi, j'ai parlé de deux timounes qui ont porté l'espoir. C'est Naïka avec son. Je dis, je vais parler de vraiment migration haïtienne dans les deux sens. Est-ce que nous connaissons, dans le 19e siècle, là, nous finissons pour l'indépendance en 1804, sous le gouvernement de Boyer, président Boyer, qui président qui fait plus de temps sous pouvoir, de 1818 à 1843, il passait 25 ans sous pouvoir. Sous le gouvernement Boyer, eh bien, nous-mêmes en Haïti, nous devons recevoir un pile monde. Nous recevons un pile migrants. Nous avons gagné des Américains noirs qui étaient venus depuis 1821. Nous avons gagné tout quelques Américains blancs. Le professeur Vernet Larose parlait de 6 000, il y a des sources qui parlaient de 13 000. Est-ce que nous connaissons tout pendant la période ça? Gros commerce en Haïti, c'était Français, Américains, Allemands qui faisaient le commerce de gros. Est-ce que nous connaissons que Haïtiens, c'est le commerce de détail plus que c'était fait dans la période ça? Et ça s'est créé quelques problèmes. Et si nous regardons dans le journal de l'époque, nous avons que c'était un petit problème dans ce sens-là. Ça veut dire que les migrants sont venus ou sont venus en Haïti. Ce n'est pas Haïtien qui sont sortis. Le président Boyer, c'est le premier président qui a sorti parce que le nègre fait révolution. Il y a eu les révolutions. 1843. Le président Boyer, pour lui-même, parti quitter Haïti avec famille et avec quelques entourages. Et ça va continuer dans l'histoire. Moun haïtien te kon migré vers l'extérieur, c'est seulement étudiant avec moun professionnel et les allant l'autre pays à l'étudier te kon tourner. Et ça, les presque sont constantes jusqu'à aujourd'hui que haïtien c'était sorti à l'étudier. Et lui-même et constante ça, c'est lui-même qui traversait toute l'histoire d'Haïti que migré haïtien 19e siècle là, c'était moun seulement qui te kon sorti. Et à l'étudier, mais qui contournait. Sauf à partir du 20e siècle, laisse ça, nous allons expliquer ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, sous président Soulouk, nous venons retrouver presque même monde. Nous retrouver Français, Américains et Allemands qui ont fait business en Haïti. Tout le monde est venu ou est venu travailler. Et dans la période de ça, Haïti, c'est un pays prospère. Selon Adi Jean Gadi, c'est un journaliste haïtien. Eh bien, un goud, t'es égal un dollar américain. Eh bien, femme, dis-nous, sous Nissage Saget, tout, sous GFOI, nous venons faire concordat. C'est-à-dire que nous venons faire accord avec le Vatican qui vient reconnaître Haïti comme un pays à part entière. Eh bien, là, ça, nous avons le conseil de religieux qui va venir en Haïti, frère de l'institution chrétienne, etc., qui vient faire formation pour nous, former Timoun, former nous-mêmes. Et quand on prend Nissage Saget, quand on prend Salomon, pendant toute période de Haïti, Haïti a un niveau de prospérité acceptable, nous n'avons pas un pile d'autres races qui ont quitté la caillou pour venir en Haïti. Mais ça, vous me dites nous tout, et que vous oubliez de parler nous, en tant que parler de monde qui est venu dans le 19e siècle en Haïti, à partir de 1830, son information, vous avez écrit un texte, je crois que c'est Dimitri Norris, t'es gagné un paquet juif qui t'es gagné problème dans côté et en Europe ou bien dans l'autre côté dans le monde et que nous-mêmes nous devinerons les juifs errants. Mais juifs ça yo étaient venus à Haïti et Haïti t'es recevoir. Et là pas gagné deuxième guerre mondiale en 1939-1940 et bien avant depuis 1937 les Hitler
pour commencer à persécuter juifs, juifs français, juifs allemands, juifs italiens, et bien, monsieur ça pour prendre un bateau, il va venir en Haïti. Donc là ça c'est nous qui recevoir et nous sommes pays d'accueil. Et c'est là ça tout dans fin 19e siècle là, nous va les Levantins, surtout les Arabes. On pas qu'être arabe pour débarquer à Haïti et on va entrer dans le pays hein, et on va entrer au lieu de faire commerce de gros, il va entrer dans le commerce de détail. Et ça va créer quelques frictions entre eux-mêmes et les Haïtiens. Et même le gouvernement haïtien va mettre bouche dans la bagarre. Ça, nous finit à ça qui passe dans le 19e siècle. Donc, ça nous retenu, c'est que dans le 19e siècle, il y a plus d'étrangers qui viennent là avec nous que nous-mêmes nous devons sortir. Mais ça va changer. En 1915, dans la turbulence nous gagne politique, dans le gouvernement, entre nous, division, les Américains vont débarquer. Et ils vont occuper le pays jusqu'en 1934. Mais en même temps, tout, il faut me dire qu'ils ont gagné des bagailles dans la République dominicaine. Ils ont été occupés, ils ont gagné Cuba, ils ont gagné de très grosses relations avec eux. Et ils ont gagné tout, ils ont été associés dans l'usine sucrière qui gagnait dans le pays. Est-ce que nous connaissons, en 1919, les Américains ont encouragé la masse rurale haïtienne à travailler à Cuba, à travailler en République dominicaine. Et ça va continuer. Mais nous, personne ne va jamais poser cette question. Pourquoi ça a encouragé? C'est vrai, les grands aspects économiques là-dedans, fait mon travail. Cuba, côté où il y a une usine, faire le travail en République dominicaine, comme Braceros. C'est vrai, mais il y a une bagaille que je ne sais pas si des historiens dit, c'est que masque Galio, c'est eux-mêmes tout qui t'a aidé Charlemagne Peral avec Benoît Batraville combattre l'occupation américaine dans le premier moment et l'occupation. Et masque Galio, c'est eux-mêmes tout qui t'a aidé politiciens qui sont dans zone, l'autre zone et dans le pays, ils viennent prendre pouvoir dans Port-au-Prince. Donc, les Américains ont cassé et lancé. Et ça va continuer. Et nous allons arriver jusqu'à François Duvalier, côté nous-mêmes, moi-même personnellement, nous allons continuer les AFRA. C'est-à-dire que chaque année, les Haïtiens ont coupé dans la République dominicaine. Mais dans le premier balbutiement, et dictature en tout. Ou pas le conseil de moun, en plus d'étudiants qui sont sortis à l'étudier, ou pas le conseil de moun très sérieux, des masses tout, mais surtout des professeurs d'école, surtout des intellectuels, surtout des talents, qui pourraient quitter Haïti et ils pourraient aller en Afrique. Ou pas le jeune au Congo en particulier, ou pas le jeune et en Guinée, de Sékou Touré, ou bien le jeune au Canada, ils vont participer dans sa nouvelle révolution tranquille dans le Canada. Et Haïtien ça, et nous allons connaître tout un phénomène sous Duvalier qui est le fly people, et nous allons connaître l'autre phénomène qui est le bot people. Et je ne sais pas si tout le monde est là, tout le monde est là, je connais ce qui s'est passé quand le boss côté et gagné bot people qui était atterri sur une île. Tout près de États-Unis côté de prendre mener tout débat. Mais ça peut arriver après le départ de Duvalier, surtout après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986. Eh bien, qu'on est là où va le jeune phénomène haïtien à aller dans vivre dans l'autre pays à continuer. République dominicaine et les Antilles, l'Amérique du Sud, et puis surtout aux États-Unis, dans le pays États-Unis. On nous fait parler de migration haïtienne, rapidement. Eh bien, là, nous regardons la quantité haïtienne qui est dehors. Si nous prenons trois documentaires, Valérie Numayo, et nous pensons qu'il est très important pour nous regarder. Destination Brésil, Chili à tout prix et TPS. Nous gagnons près de 4 millions, et il y a des gens qui parlent de 3 millions, et de
migrants haïtiens à l'extérieur du pays, qui aux États-Unis, qui en République dominicaine, à pratiquement qui sur tout continent qu'on a. Ça positif là-dedans, c'est que moun sa yo, compatriotes sa yo, c'est yo kembe économie haïtienne qui pote la bout de bras. C'est yo pote la bout de bras, parce que c'est yo même qui voyait et la pralé de façon croissante en pile l'argent ba nou. Yo te commencé à 2 milliards, qu'on a yo passé à 2 milliards 5, yo passé à 3 milliards. Et chaque fois nous gen crise dans le pays, chaque fois nous gen crise politique, chaque fois nous gen crise et migrante crise, toute sorte forme crise là. Nous gen crise qui en rapport avec par exemple tremblement de terre 2010. Chaque fois nous gen crise qui en rapport avec le cyclone politique qui a traversé le pays depuis quelques temps, haïtiens qui dans pays étranger, toujours diaspora haïtienne fait le devoir pour aider moun à l'intérieur. Et actuellement, nous avons près de 3,5 milliards de dollars par année. C'est le plus gros bailleur de fonds que Haïti gagne. Et même plus que ça, blanc, soi-disant, dit à Banou. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que l'important pour nous est qu'on ait que migration et lycée ont problème, il faut nous chercher un moyen pour nous résoudre. Parce que quand on est entré dans une phase de crise, donc c'est parti ça. C'est lui-même, nous allons traiter dans la cinquième vidéo. Et nous finis avec la quatrième vidéo ça. Et nous dit tout le monde merci. À la prochaine.